c'est parti. Donc, comme d'habitude, début, moi j'ai enlevé mon masque, mais je suis tout seul dans la salle, donc je ne risque rien. Hein. Et puis, pour vous parler, ce sera un peu plus. On entendra un peu mieux et j'arriverai à mieux m'exprimer sans le masque. On va y aller par un échauffement articulaire, on se souvient un petit peu, on va commencer par la tête et on va terminer jusqu'au pied pour terminer par un peu de souplesse. Ça marche? Allez, on y va entre la tête de gauche à droite, on y va entre la tête, voilà. Hop! Voilà. Vous aidez bien, voilà, les joues à réfléchir, gardez bien le droit, on commence à bien souffler. Et on y va tout doucement, on démarre, voilà. En plus, on lui fait quel droit. On va se laisser un petit peu de temps de réveiller son corps, hein, c'est très important. Voilà, de gauche à droite ici, et on lève la tête de haut en bas. Voilà, allez. Vous l'avez vu, hein, échauffement articulaire très important, ça ne change pas. Allez, la tête de haut en bas, encore, on y va. Je descends, on remonte. Je descends, je monte. Allez, encore. Allez, je relâche, je vais dérouler un petit peu mes épaules. Voilà, les épaules, très important. Je vais terminer mes épaules. Pensez à bien souffler. Voilà. Je vous rassure, on fera des pauses hein, pour moi un petit peu d'eau quand même. Ça n'y a pas de souci, que l'important c'est râper. Et là, on est ici. Hop, les épaules vers l'avant. Voilà, les épaules vers l'avant ici. On souffle bien. Gardez bien les deux genoux un peu fléchis. Voilà. On va dérouler les bras. On va dérouler les bras. Échauffement aussi. Après, les grands soulèvements. C'est comme on veut. En tout cas, moi je suis très content que vous pouvez. Voilà, même si c'est pas pareil. Mais on a quand même l'opportunité de se revoir avec la technologie, hein, avec Facebook. Voilà. On y va les deux bras vers l'avant ici, on va bien s'échauffer. On va bien s'échauffer, voilà. Pensez à bien souffler, pensez à bien souffler. Prenez de l'espace chez vous pour éviter de mettre un coup au voisin ou à sa voisine. D'accord. Allez, on va venir écarter les deux bras ici. On va faire des petits ronds pour échauffer encore un peu les épaules. On échauffe, on échauffe, on échauffe, on échauffe. Voilà. Soutenez bien, soutenez bien. Et on change de l'autre côté. Voilà. Allez, 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 allez. Et on relâche tout doucement. Je déroule une épaule, puis la deuxième. Je déroule. La première, allez, on prend un passage. Allez, je relâche tout doucement. On va échauffer un petit peu les coudes. Voilà, on échauffe les coudes ici. Hop là, allez, on y va ici, on y va, on y va, on y va. Pensez à bien souffler toujours. Gardez nos sourires, c'est très important de garder son sourire. Surtout en cette période un peu sombre. Hein. Aujourd'hui, il y a du soleil, donc ça va, ça c'est bien. Il fait froid, mais il y a du soleil. Allez, on change de côté. C'est ce qu'on appelle un vent frais et sec. C'est ce que j'adore. Allez, on y va, on y va, on déroule les bras, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Allez, on relâche tout doucement. Ouh, ça change un petit peu les épaules. Et là, c'est le truc de la manœuvre. Allez, on fait les poignets. Donc, on attrape ses deux mains. Hop, les poings ici à l'intérieur. Et on échauffe les poignets. Allez, on échauffe les poignets. Souffle bien, souffle bien, souffle bien. On fait à l'envers. Oh, à l'envers, c'est plus dur. À l'envers, c'est plus compliqué. Hein. Voilà, on relâche tout doucement. On va relâcher les mains. On va venir fléchir un peu les jambes. On va prendre les deux mains et on va pousser. Et se grandir, se grandir, se grandir au maximum. Toujours en soufflant. Sans mettre les épaules. Et la tête, hein. On essaie de dégager un petit peu les épaules de la tête et on va basculer d'un côté. Voilà. Allez, je souffle, je bascule. Soit à droite, soit à gauche. L'important c'est de faire les deux. Allez, je reviens tout doucement. Ouais. Et hop, je bascule de l'autre côté. En gardant les deux droits, hein, surtout. On n'oublie pas les bonnes habitudes qu'on a ici. Hein. Allez, je reviens ici tout doucement. Allez, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Aujourd'hui, on ne fera pas d'interrogation surprise orale. Je ne pourrais pas me répondre oralement, c'est pas la peine. Hein. Alors, on va venir étirer un petit peu le dos. On met les deux pieds là, genre épaule. On fléchit un peu les genoux. Très important. On va venir ici allonger le dos ici et pousser. Voilà, mettre les fesses en arrière. Toujours pareil, les épaules dégagées de la tête. Hein. Très important. Fermez pas les yeux, c'est pas la peine. Soufflez bien, soufflez, 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 soufflez. On essaie de garder
au maximum le dos droit, c'est très important. On se regarde, c'est comme d'habitude. Voilà, mets les mains sur les genoux. Hop. On vient resserrer ses pieds, on resserre, voilà. Et on va échauffer un petit peu les genoux. Allez, on y va. Hop, de l'autre sens. Sur les voitures, donc il y a du gelé cette nuit. Donc raison de plus pour bien échauffer ses articulations. Mais je vous rassure, hein, à tout âge, il n'y a pas d'âge pour bien échauffer les articulations. Ça c'est très important. Ouais, ça fait du bien ça. Allez, on relâche le mouvement, on va écarter les pieds au niveau des épaules. On va faire la souplesse. Ouais, en même temps je vais travailler la mienne. On va venir pousser. Voilà, vers le haut. Je prends une grande inspiration. Je bombe le torse, la poitrine, et là je vais relâcher ici et chercher mes pieds tout doucement. Fermez pas les yeux quand vous êtes en bas, c'est très important. Ça évite d'avoir la technique pour que l'on redresse. Allez, mets les deux mains sur les genoux, on vient fléchir, on vient s'asseoir, on resserre ses pieds. 1, 2, 3, 4, je viens m'asseoir, je viens dérouler. Et toujours les épaules et la tête. Allez, on va s'échauffer un petit peu plus rapidement aussi, on va garder ici, on se souvient un petit peu. On y va ici, 1 ici, 2 pouces, 2 je pousse, 3, soutenez bien, 4, encore, 5, allez en dessous, 6, 7, 8, 9, allez. Voilà. Pensez à bien souffler. Allez, voilà. Et là, on va venir ici relâcher tout doucement et on va chercher, hop là, les pointes de pied. 2, on n'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux. Hein. Allez, 4, 5, 6, 7, vous voulez bien, 8, 9, allez, 10, encore, 11, et 12, 13, allez, 14, 15, et 16. On met les deux mains sur les genoux, on vient s'asseoir, on resserre ses pieds. 1, 2, 3, je viens m'asseoir et je déroule. Voilà. Ça va? Allez, on va venir augmenter un petit peu la dose, hein, du coup. On va venir ici. 1, 2, 3, on lève les genoux. 4, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez. 11, 12, 13, 14, 15. Et 16, on relâche, on vient marcher un petit peu. Voilà, marcher. On va faire un deuxième passage et je vous mettrai une petite pause pour vous hydrater, pour boire un petit peu d'eau. Hein, très important. On écarte ici, on va repartir ici. Et 1 ici. Et on va accélérer un petit peu le mouvement. 3, voilà. 4, on souffle. 5, 6, allongez bien le corps. 7, 8, 9, 10. Allez, on y va. 11, 12, 13. 14, et on va partir directement en bas, voilà, en bas ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, et 16, on met les deux mains ici, on vient s'asseoir, on resserre, 1, 2, 3, 4, je m'assois et je déroule, les épaules en arrière. Et là, j'enchaîne tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, on marche. Voilà. On va faire un petit étirement de souplesse. Un petit étirement, on écarte les pieds largeur épaule. On prend ici, on va souffler, on va pousser. Grande inspiration, je vais relâcher doucement, je vais chercher mes pieds. Voilà, un petit peu de souplesse. Très important.
Démarre sur le genou, on vient fléchir, on vient s'asseoir. 1, 2, 3, 4, m'assois, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Voilà. Ouh, allez, ça, buvez un petit peu d'eau, voilà. On a le droit de boire un peu d'eau, c'est même conseillé. C'est même important, c'est primordial d'ailleurs. Voilà, buvez un petit peu d'eau, prenez le temps de bien récupérer. Alors, on va travailler le renforcement musculaire aujourd'hui. Pour ceux ou celles qui voudraient s'aider un petit bâton, voilà, on va prendre la manche à balai, hein, ou un bâton. Voilà, on va faire un petit exercice avec la jambe sur le côté. Pour si on ne se sent pas forcément à l'aise, vous voyez, on peut maintenir un petit bâton. Voilà. Mais je vous rassure, on va travailler l'équilibre. Hein. Comme ça, après l'équilibre, on n'aura rien perdu. Et pour ceux ou celles qui regardent la vidéo en direct et qui ne sont jamais venus faire la gym chez nous ici à la ferme Grand-Père, eh bien, on n'hésite pas à pratiquer avec nous sur le live et pourquoi pas venir nous rejoindre à la rentrée. Allez, on y va. Allez, hop. On va commencer par un petit renforcement des cuisses. Alors, comment on travaille les cuisses? On va mettre les deux pieds largeur épaule. On imagine la chaise derrière. On voit la chaise parce que je suis arrivé à Gaston, je viens vous l'enlever. Ça marche. On va mettre les deux pieds largeur épaule et on va venir ici descendre ici. Et remonter. D'accord? On y va, on essaye de s'asseoir sur la chaise. Serrez bien vos abdos. Gardez bien le droit. J'inspire quand je vais descendre. Et je souffle sur la montée. Ça marche. Allez, on y va. On en fait vite pour commencer. Allez, 1. Voilà. Non, je souffle. J'inspire. Ça fait 2. Allez, on y va ici. On souffle bien, ça fait 3. On y va. Ça fait 4. On y va. Ça fait 5. On descend. Voilà. Ça fait 6. Impeccable. On y va. Ça fait 7. On y va. Et ça fait 8. Et là, je marche tout doucement. Je marche, je récupère un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui est complet sur la partie basse, sur la partie inférieure de son corps. Ça travaille les cuisses dans toute sa globalité. Ça marche, donc l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, l'entre des cuisses. Ça travaille vraiment tout. On a aussi un travail au niveau de la sangle abdominale. Ça marche sur tous les exercices qu'on pratique. Pensez à bien serrer les abdos. Tout l'importance de faire du gainage à la fin. Allez, on y va. On va augmenter un petit peu la dose. Mais on va en faire 16. La même chose ici. Hop, je vais mettre face à face avec vous. Allez, je descends ici, je monte. Les deux pieds sont parallèles. On y va ici. Allez, je monte, ça fait 2. Inspire. Et souffle, ça fait 3. Inspire. Et souffle, ça fait 4. Allez. Ça fait 5. On y va tout doucement, hein, d'accord? Ça fait 6. Ça fait 7. On y va ici. Ça fait 8. Encore. Ça fait 9. Soufflez bien. Ça fait 10. Allez, encore 6. Allez. Ça fait 11. Ça fait 12. Ça fait 13. 14. Allez. 15. Et la petite dernière. Et hop là. La petite dernière pour la route. Allez, on marche un petit peu. On récupère. On souffle, on souffle, on souffle. Et on va se démontir un peu les jambes. Alors, j'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Moi, je ne vois pas les commentaires, mais je les verrai après. Voilà. J'espère que tout le monde a la forme, que tout le monde arrive à suivre. On va redescendre un petit peu. On va en faire 16, mais on va en faire 8. En essayant, regardez, de placer les bras vers le haut. Quand je descends, je remonte. Ça marche. Je descends, les bras se lèvent. Je remonte, les bras descendent. Tout simplement. Là, on va faire intervenir un petit peu les épaules. Très important, les épaules, de les renforcer un petit peu. Surtout quand on vient porter des choses lourdes, c'est important d'avoir des bonnes épaules. Hein. Je vous rassure, on ne manque pas d'avoir des épaules de bodybuilder, de Schwarzenegger, il n'y a pas de problème. On y va ici, les deux pieds larges de l'épaule, je mets face à face pour voir si tout ça va. On y va ici, je descends, je monte. Attention, toujours à la position du dos. 2, voilà. 3, allez, on souffle bien. Ouais. 5, super, allez on y va, 6, ouais ouais, 7, encore, et 8, la gueule, je vais essayer de rester en bas ici, peut-être de vous relever,
On va essayer de rester un petit peu en bas. Allez. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Allez, on remonte doucement, doucement, doucement. Allez, je viens marcher un petit peu. Allez, je marche, je marche, je marche. Pensez toujours à bien souffler. Allez, on va faire une petite pause, on va boire un petit peu d'eau. Hop, le temps que je prenne mon petit bâton. Allez, boire un peu d'eau, c'est très important. Alors, si on n'a pas d'équilibre, on peut venir ici avec son bâton, regardez. Voilà, ou si jamais on n'a pas de tranchée, soit on n'a pas de balai, on peut poser la main sur un mur, ça marche. Ne posez pas la main sur le voisin, parce que si le voisin n'a pas d'équilibre non plus, ça va, c'est pas une personne qui va tomber, mais deux personnes, c'est pas drôle. Hein? Donc si on a un bâton, n'hésitez pas à prendre le bâton ici. On vient fléchir la jambe d'appui, regardez. Et 1, ici j'ai 4. Allez, 2, j'ai 4. Voilà, ici. 3, encore. 4, j'ai 4. 5, allez, super. 6, encore. 7, encore. Et 8, je relâche. Ça va? Voilà, donc on a la chance d'avoir deux jambes. C'est pas donné à tout le monde. C'est quoi le petit point de mouvement? On change la position du bâton. Hop, si je le gratte, on gratte pas, hein, surtout. Voilà, on change la position du bâton ici et on change de jambe. Une, voilà. Deux, serrez bien vos abdos, gardez le droit. Trois, allez, encore. Quatre, cinq, allez, on souffle bien. Six, sept, et huit, je relâche. Donc sur l'exercice qu'on vient de faire, surtout la jambe qui est toujours en appui au sol, on n'hésite pas à bien la fléchir. On serre bien les abdos et on garde bien le droit. Et toujours pareil, on prend bien la souplée. Ok? Je souffle toujours à l'effort. Quand je sens l'effort, c'est à ce moment-là que je souffle. J'inspire. Ça marche. On y va, on change de côté, on reprend le premier côté et on va coupler un petit peu la mise. Allez, on y va. 1, allez, 2, encore, 3, encore, 4, encore, 5, allez, on souffle bien, sans bouger l'eau, 6, 7, 8, 9, allez, messieurs, on y va, ouais, 10, 11, 12, soufflez bien, 13, 14, 15, et 16, voilà. Aïe, aïe, aïe. On entend le deuxième côté. On va faire un troisième passage. Sauf que sur le troisième passage, on va essayer de mettre un peu d'équilibre à la fin, hein, quand même. Hein. On y va ici. Deuxième passage, on va changer de côté. Une, voilà. Deux, allez. Trois, encore. Quatre, encore. Cinq, allez. Six, avec le sourire, hein. Allez, 8, 9 et 10. On souffle bien. 11, 12, soufflez bien. 13, encore. 14, 15 et 16. On relâche. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il y a encore un petit passage. Mais le dernier passage, on mettra un équilibre à la fin en essayant de lever son bâton. Voilà, on va essayer de lever le bâton. Regardez l'équilibre, donc pensez bien là. Serrez les abdos. Ok. Ça, ça travaille aussi tout ce qui est, voilà, tout ce qui est la partie fessier, ça travaille ça. Ça travaille les abdos. Hein. Les abdos, de manière à ce qu'on les contracte, les abdos, il y a un travail. C'est important pour garder justement l'équilibre des abdos. Voilà. C'est une pièce importante pour garder, excusez-moi, pour garder son équilibre. Que ce soit à la gym, que ce soit chez soi, ou dans un supermarché, ou autre chose. Voilà, serrez bien les abdos pour toujours avoir de l'équilibre. On y va ici, on va poser le bâton, et regardez, on va le décoller un petit peu. Donc le bâton ne touche plus le sol, et 1, on y va en écarte. 2, on écarte ici. 3, encore. 4, voilà. 5, allez. 6, 7. Et puis je vais rester ici, hop, je vais rester en mode écarté, en fléchissant bien la jambe d'appui. Voilà, allez, 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 allez. Et on relâche tout doucement. Ouh. Alors j'espère que l'équilibre ça a été chez vous. Moi pour ma part ce matin j'ai l'équilibre, alors ça va.
Il y a des matins où on n'a pas forcément d'équilibre, il y a des matins où on est plus réveillé que d'autres. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle on s'est couché. On fléchit, hop. On garde toujours le bâton, on va venir le décoller un petit peu. Voilà, le bâton ne touche plus le sol. Et 1, on y va aussi. 2, on y va ici. 3, on est 4. 4, on est 4. 5, allez. 6, encore. 7, encore. Et 8, je maintiens. 8, 7, 6, allez. 5, 4, 3, 2, et là, je relâche ici. Le bâton va poser au sol, on va poser le bâton. On va boire un petit peu d'eau, messieurs, d'appuyer un petit peu d'eau. Récupérer. Voilà. Donc, on est là ensemble pour à peu près 45 minutes. On va sur 45, 50 minutes. Ok. Ah. Moi, je sais pas vous, mais moi, je transpire. En même temps, il y a du chauffage. Alors, on va toujours rester debout. On va partir après hein, sur le papier. Vous avez vu, j'ai mis la tête au sol. Et je sais que chez vous, vous avez tous un papier. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On va partir, voilà, sur un petit exercice. On connaît celui-là, on l'a déjà fait. On va pas faire des exercices nouveaux à la caméra, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas vous corriger, je ne pourrais pas vous regarder, savoir si l'exercice est bien fait. Donc, quand on fait des lives, on fait toujours des exercices que l'on a déjà pratiqués ensemble, notamment pour votre sécurité, et c'est plus sympa, au moins on sait faire, c'est ça qui est chaud. Ça marche? On va venir fléchir la jambe d'appui ici, les deux bras le long du côté, le long du corps, pardon. Regardez, ah ici, je monte la jambe ici. Deux genoux, encore, voilà, avec les bras ici. 3, voilà. 4, allez encore. 5, allez, on y va ici. 6, encore. 7. Et 8, je relâche. Pensez toujours, la jambe qui est, le pied est appuyé, la jambe est toujours fléchie, hein, c'est très important. Change de côté, allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, on y va ici, 6, soufflez bien, 7, mettez toujours les bras en même temps, et 8, voilà, on relâche tout doucement, les bras et les jambes en même temps pour travailler la coordination, ça marche. Allez, on récupère un petit peu, on récupère un petit peu. Donc, si on veut travailler un peu l'équilibre sur ce genre d'exercice, regardez ici quand je mets le profil. Quand je tends la jambe ici, quand je ramène, je peux garder toujours mon pied à ras de sol, sans toucher tête. Ça marche, ça va permettre de gagner un peu plus en équilibre. C'est plus difficile, mais si on se sent capable de le faire et qu'on sait le faire, autant le faire pour pratiquer davantage son maintien d'équilibre. Ça marche? Allez, on y va, on va reprendre la première jambe ici, hop, on va monter la dose. On va faire 16. Allez, 1, 2, voilà. 3, on souffle bien. 4, allez, sudale, levez. 5, soufflez. 6, encore. 7, allez. 8, on souffle bien. 9, yes. 11, allez, on souffle bien. 12, on souffle. 13, soufflez bien. 14, 15, et 16, je relâche. Hey, ça va? Un petit peu déhanché histoire de me dire tout va bien. Change de côté. Ah, on a deux jambes, on n'oublie pas. Hein. Allez, on fléchit et hop, je monte. Allez, 2, 3, allez, on souffle. 4, 5, soufflez bien. 6, 7, 8, allez, encore. Encore 8, voilà. Plus que 7, 6, allez, gardez bien le droit. 5, encore. 4, 3, 2, 1, et je relâche. Ça va, messieurs, dames? Allez, buvez un petit peu d'eau, voilà.
Moi, je vais voir aussi un petit peu dans mes soudades, d'accord? Voilà, un petit peu d'eau, ça fait du bien. Ça permet de s'hydrater. Alors, on prend la dernière série. On va en faire 8. Pareil, avec un petit maintien en équilibre. La jambe tombe, ça marche. On y va en fléchis. Et 1, 2, allez, 3, plus bien. 4, encore. 5, encore. 6, allez. 7, encore. Vite et on maintient. Alors on essaye de ne pas trop pencher dans l'arrière ici. Vous voyez, on ne fait pas ça. On essaie d'avoir le poids ici, de maintenir ici la jambe devant. 3, 2, 1 et je relâche. Ça c'est top, ça c'est top. On change de côté, messieurs dames, on peut empêcher la jambe d'appui. Allez, 1, 1, pardon. 2, allez. 3, allez. 4, on souffle bien. 5, on souffle bien. 6, encore. 7, encore. Et 8, on maintient. Pour 8, 7, 6, 5, allez. 4, 3, 2, 1. Et je relâche, non? Je relâche. Ouais, ouais, je fais les petites faces. Alors, est-ce que ça va, ça, messieurs, dames? Bon. On ne va pas les commander, pourquoi pas, mais c'est pas grave, je vais les voir après. Hop là! Alors, j'espère qu'on a un peu plus en forme. Je vous rassure, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. On va passer sur la partie. La partie abdominale, on va passer au sol directement. Hop. Moi, je vais enlever le bâton pour ne pas glisser dessus. Pareil chez moi, si le bâton n'est pas proche de vous. Faites attention à ne pas marcher dessus. Et à ne pas glisser. Alors, les abdos, toujours pareil, on va faire des exercices que l'on connaît. On ne va pas s'amuser à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la vidéo, je ne pourrais pas vous replacer. Donc, on va pas faire de bêtises. Ça marche. Allez, on va venir ici s'allonger. Donc, on va s'allonger ici au sol. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà, tout simplement. Hop là, regardez ici. Yes! C'est bien la technologie, là, quand même! Voilà. Comment on aurait fait avant sans la technologie? Eh ben, on va pas faire de pause. Là, en direct, en tout cas. Placez bien les deux pieds. Voilà, les deux pieds, là, j'avais le poil ici. On a bien le dos sur le sol. Serrez bien vos abdos. Placez les deux mains derrière la tête. Les coudes en ouverture ici. Et là, je vais monter ici et je vais redescendre tout doucement. Je monte, je redescends, ça marche. Allez, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Allez, on monte. Je souffle, j'inspire. Ça travaille les abdos. Voilà, ici. Ce qu'on appelle un relevé de muscle. Allez, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire encore. Allez, je monte et je descends. Je monte et je descends. Je monte. Voilà, je descends. Encore deux, allez. La dernière, hop, et je relâche tout doucement. Et là, j'ai allongé un petit peu mes jambes pour récupérer. Voilà. Donc, soit les bras le long du corps, soit on vient chercher les bras derrière. Pour chercher un peu l'étirement. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà, on a fait les abdos remettre. On va venir ici les deux jambes à 90 et on va venir pédaler ici tout doucement en gardant la tête sur le tapis. Si jamais je veux décoller la tête, mettez bien les mains derrière la tête et gardez toujours le regard vers le plafond. On n'oublie pas, on garde un espace entre le menton et la cage thoracique. Très important. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, on souffle et on pédale. Et on pédale. Allez, on go. On pédale, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Plus que 4, plus que 3, plus que 2, 1, et je repose les jambes. Voilà. Je m'allonge pour récupérer.
Prenez bien les deux pieds là, je vais pour reposer les pieds au sol, ça marche. Là, messieurs, dames, regardez. Hop. Donc si je me gratte, on ne gratte pas, je vous rassure. Hein. On place les deux mains derrière la tête. Et là, simplement, ici, je vais venir ici. Hop, toucher mes genoux. Et redescendre tout doucement. On fait attention, on ne passe pas la tête au sol, pas sur le tapis. Même si un tapis, ça peut être dangereux. On y va. On monte tout doucement. Et on redescend tout doucement. Je monte, je souffle. Voilà. Je redescends. On y va. Allez. Et de 4. Allez, je redescends ici tout doucement. Et de 5. Allez, je redescends ici tout doucement. 6. Allez, on y va ici. 7. Encore. Et là, je tire, on y va. Et hop là, on relâche ici tout doucement. On va avoir le résultat. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est normal et je vais encore
dire, le répéter. Le gainage, c'est très important. Ça permet de maintenir la sangle abdominale. Et si on veut garder un équilibre, il faut justement avoir des abdos bien renforcés, c'est très important. Mais le fait de gainage, pour la plupart, vous aimez ça. Alors, on va reprendre un petit peu les positions du gainage. Voilà. Alors, le gainage, c'est tout simple. On va faire la gainage frontale, ce sont les avant-bras. Je vais ici placer les avant-bras ici au sol. Bien, je place les avant-bras au sol. Mes deux genoux ici, hop, au niveau des poches, je vais garder mon endroit. Et ça, c'est la position, on va dire, débutant. Ça marche. Voilà, je viens ici en position débutant. Hop, et je viens maintenir. Ça marche. Pour ceux ou celles qui, je sais, il y en a d'ailleurs, peuvent faire la position un peu plus confirmée, on va la faire. Regardez ici. Hop, la position confirmée, c'est celle-là. Donc, on peut commencer par celle-là. Si on sent qu'on est à l'aise, on peut avoir terminer par celle-là. A l'inverse, si on commence par la condition confirmée, on fait celle-là, et qu'à un moment donné, on sent qu'on est rincé, on peut poser les genoux. Ça marche. Et pareil, ce n'est pas parce que c'est un exercice statique qu'on a pas le droit de souffler. Peut-être pas de l'apnée, hein, pas comme à la piscine. Parce que si on fait trop d'apnée, il peut y avoir un pépin à la fin. D'accord? Non, vraiment, hein, quand on est au sol, même en position statique, pense bien à souffler, c'est très important. L'oxygène, c'est vital, messieurs-dames. Allez, on y va pour le petit gainage. On va commencer par 15 secondes. Oh là là, qui est gentil, 15 secondes, super. Allez, c'est parti, on y va pour 15 petites secondes. Hop. Vous avez vu, on n'a pas commencé à 30 secondes, on a commencé à 15 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et là, je relâche plus doucement. Et là, je relâche plus doucement. Si on veut se tirer un petit peu, regardez le plus vers l'angle ici, les bras devant, s'asseoir sur les talons. Pour étirer un petit peu le dos. Bon, je vous rassure, on ne va pas rester seulement à 15 secondes. Je suis sûr que vous êtes capable de plus. Voilà. Voilà. J'en ai qui m'ont déjà fait 1 minute 30. Et c'est pas mal, c'est même très bien. Allez, on va partir dans 15 petites secondes, d'accord? Donc là, on a fait 15 secondes et on a récupéré le double. Très important, la récupération. On va y aller, messieurs-dames, pour 30 petites secondes de pur bonheur. Donc le gainage, hein, parce que le gainage, c'est du bonheur. On y va pour 30 secondes, c'est parti. Allez, 30 secondes de pur plaisir. Donc on évite de faire ça et on évite de faire ça aussi. Hop, on essaie de faire la planche. Voilà, on tient de la planche, ça marche. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On tient toujours, on tient toujours. Yes, 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 yes. Ouh! On va relâcher. Donc là, on va récupérer une minute, on va récupérer le double. Et on va refaire une deuxième, un deuxième passage à 4, un troisième passage par rapport à 15 secondes. Ça marche. Je sais pas vous, mais moi ça me fait du bien. Bon, vous allez me dire 30 secondes, donc je peux faire plus. Mais ça me fait du bien quand même. Et de savoir que ça vous fait du bien, et là ça me fait du bien aussi. Même si on ne peut pas se parler en face à face, je sais que vous êtes derrière, je sais que vous êtes motivé. Bon, j'espère pour ceux qui habitent à la campagne, vous avez la connexion internet là quand même. Donc maintenant que la technologie, il y a du réseau un peu partout. Voilà. Et je pense que vous n'habitez pas dans une drogue, alors même qu'il y a du réseau, et ça, ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous voyez, vous pratiquez dans la joie et la bonne humeur. On y va. 15 secondes, c'est parti. Allez, on décolle. Allez, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle. On prend l'avion. Allez. Vous savez quoi? C'est parce que c'est moi. Je vais vous rajouter 5 secondes de petit bonus. 5 secondes de bonus. Allez, c'est cadeau. Ne me remerciez pas. Allez, on relâche. Allez, restez toujours au sol. Restez toujours au sol. Moi, je vais redresser pour aller chercher la bouteille. Voilà, restez toujours au sol, hein, messieurs, dames, d'accord? Très important. Alors,
On va passer un petit peu sur l'étirement. Je vais reculer pour que vous puissiez voir ma tête. Hop. Voilà. Je vais remettre le... On va passer un petit peu. On va passer à l'étirement. C'est très important, l'étirement. Ça fait partie de la séance. Échauffement articulaire, étirement. C'est deux choses essentielles pour la gym. C'est très important de bien s'étirer. Ça marche? Alors, on a fait pas mal de renforcement musculaire. Je sais qu'on va se retrouver mardi. Et mardi, on va accentuer un peu plus sur la partie que certains, des fois, n'aiment pas trop, mais sur la partie équilibre. Ça marche? Et on accentuera un petit peu plus sur la sangle abdominale également, mardi. Là, on va passer à l'étirement. On va prendre un peu de temps pour l'étirement, c'est très important. Voilà, hop là. Je vais remettre l'ordinateur, voilà. Hop. Eh, hey, magique la technologie, hein. Alors, ici, messieurs dames, on y va, regardez. Les deux genoux, on vient s'asseoir sur les talons et on vient allonger les bras devant, en soufflant, soufflant, soufflant. Et ça, ça va vous étirer le dos. Ouh. Allez, on étire le dos, on étire le dos, on étire, on étire, on étire. Voilà, soufflez bien. Je reviens tout doucement ici. On se souvient un petit peu. On tend une jambe derrière. On vient croiser l'autre avec la jambe qui est tendue. Et on vient allonger derrière. Allez, on souffle. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, on vient chercher ici derrière. Et là, ça va tirer un peu les fessiers. Même pas un peu, ça va tirer les fessiers tout simplement. Allez, on revient tout doucement. Waouh! Changer de côté, allonger, croiser la deuxième jambe. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, je reviens tout doucement. Hop là! Je vais venir ici en position debout. Voilà, hop, position ici comme ceci. Alors, on se souvient un petit peu. Un pied devant, la pointe du pied derrière, les deux mains sur le genou. On regarde devant soi. Je prends une grande inspiration et sur le souffle, hop, j'appuie mes deux mains et je pousse pour progresser. Ça marche. Voilà, on pousse un peu le tapis pour ne pas glisser dessus. On va toujours travailler la souplesse. Toujours travailler la souplesse, on va venir pousser, allonger ici. Allez, on allonge. Voilà, on allonge, on allonge, on allonge. Allez. On n'oublie pas, les épaules sont dégagées de la tête, hein, très important. On n'est pas tendu. Voilà, et on vient basculer d'un côté. On revient tout doucement. On bascule de l'autre côté. On revient ici. Et on va relâcher tout doucement. Et on va venir étirer un petit peu les épaules. Voilà les épaules ici. On souvient ici. Hop, la main derrière. Je place ici mon autre main au niveau du coude. Et j'appuie dessus. Délicatement. On ne vient pas décrocher l'épaule, hein, je vous rassure. Un étirement, c'est censé faire du bien. S'il y a de la douleur, ben c'est pas top. Allez, on est toujours un peu fléchis sur les jambes, hein, d'accord. On n'est pas tendu comme une crampe. Voilà, et on va changer de côté ici. Voilà, j'en profite pour me gratter l'épaule. Hein. Donc si je me gratte, on ne se gratte pas, hein, surtout. Allez, soufflez, 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 soufflez. Allez, relâchez. On déroule un petit peu les épaules. Allez, on va travailler un peu la souplesse. On va pousser vers le haut. Pousser, pousser. J'inspire, j'inspire, j'inspire et je souffle et je relâche tout doucement, je relâche. Les mains sur les genoux, je viens fléchir, je viens m'asseoir. 1, 2, 3, 4, je m'assois et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Et on n'oublie pas, messieurs, dames, on n'oublie pas les